I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one loves you as you are. But I won't let them break me down to dust. I'm not that there's a place for us, for we are the glorious. When the sharpest words when you cut me down, I'm gonna see the blood on the children mounds. I am red, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look at you, see how I come. Nouvelle aventure, il y a eu l'Eurovision en 2015, il y a The Voice en 2019. Exactement. C'est parti. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. 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 Bienvenue dans The Voice. Vous vous appelez comment ? Alors, je m'appelle Virginie, mais je suis plus connue sous le nom de Lisa Angel. Et je suis vraiment très émue d'être ici ce soir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Visiblement, vous avez une histoire. On voit que vous avez du métier quand même, que vous chantez. Mm-hmm. Et quand on vous entend et quand on vous voit, on a envie de connaître un petit peu cette histoire-là. Elle est longue, l'histoire. Elle est... Alors, on a mais le temps. Je mets les compteurs à zéro. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pourquoi compteur à zéro ? Parce que c'est bien de temps en temps de se remettre en question. J'ai eu la chance de représenter la France à l'Eurovision en 2015. C'est très difficile, sans doute, quand on a votre parcours, de rebattre toutes les cartes et c'est de ça. Revenir tenter sa chance. On sent que vous avez voulu beaucoup prouver ce soir. Je pense qu'il faut que vous fassiez... sans doute un peu plus confiance, mais c'est parce que j'ai senti tout ça que je me suis retournée. En tout cas, bienvenue dans The Voice. Bon, super. Merci beaucoup. Il a donné toutes les raisons pourquoi je me suis retournée. À un moment donné, on s'est regardé avec Julien. Bien sûr, on a senti le trac dès le départ. C'est ouf. Mais quand même, on sentait le métier. Et Julien me regarde, il m'a dit, on y va. J'ai dit, oui, on y va. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Ouais. Je ne me suis pas retournée, alors je vais vous dire pourquoi. Oui, avec plaisir. Parce que j'ai... En fait, j'ai entendu du métier aussi. Et oui, en fait, votre analyse, elle est extrêmement juste. J'ai trop entendu le métier. Et ce qui manquait, c'était un tout petit peu de lâcher prise. Un petit peu de liberté. Hein. Un petit peu... C'est bien de se remettre en question. Mais quand on le fait, il ne faut pas demander la permission. Et il ne faut pas s'excuser. Madame, je ne vous connais pas... Mais vous êtes là, il y a deux coachs qui ont bien fait à se retourner, parce que maintenant, je regrette, parce que ça aurait été extrêmement intéressant de travailler avec vous. Mais ne faites pas d'excuses, vous chantez vraiment bien. Allez-y, et allez-y avec toute l'ambition que vous avez en vous.
Vous avez déjà une idée de... Avant de venir, vous avez déjà dit dans votre tête « Ah, s'il se retourne, je vais aller avec... » On n'a rien compris. Refais ta question. Si j'ai compris. Ah bon? Vous avez compris? Oui. Ah, ben... C'est le principal. J'aurais dû appuyer. Oh my God. Bon, elle va choisir qui? Entre Soprano et Julien Clerc. Soprano. Sopra? Je pense aussi. Mais Julien parle Julien, très bien. Il a touché. Ouais. Ouais. Allez, Julien Clerc a compris. J'avais une idée, ouais. Mika, pour vous répondre. Et c'était vous. Mais il y a un mais. Non, non, je, pas de souci, aucun problème. Aïe. Mais je pense qu'en fait, chacun de vous peut m'apporter quelque chose. Mais je vais aller vers vous, monsieur Julien Clerc, parce que j'ai envie de vous connaître. Dans le choix de la prochaine chanson, faites avec votre cœur, vous y allez, on vous fait confiance, n'oubliez pas ça. À très vite. On se voit bientôt. À bientôt. Elle est belle l'histoire. C'est très touchant. Yes. Une belle histoire. Ouais, c'est joli. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connectés. À plus tard.